Comme chaque semaine, David Audin rend visite à l'un de ses protégés. Monsieur Fosse, bonjour. Vous allez bien ? Ouais, ça va ? Ça va, merci. Pour ce salarié, David Audin joue le rôle de conseiller. Il l'oriente dans son parcours professionnel et l'aide à trouver des petits contrats. Je le suis depuis à peu près le mois d'octobre 2017. Donc il est venu s'inscrire chez nous, dans notre agence, avec un dynamisme, une motivation de retrouver une activité professionnelle. Il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire, on va dire, en termes de compétences. Donc on l'a fait travailler, tout simplement, sur plusieurs chantiers, plusieurs missions. Laurent Fosse vogue d'entreprise en entreprise avec des missions d'un mois en moyenne. Cette semaine, il travaille dans les travaux publics, mais dans quelques jours, il sera derrière un volant. J'ai suivi une formation poids lourd titre professionnel. Et là, en attendant ma carte conducteur, plutôt que de rester sans rien faire, je bosse, tout simplement. La structure associative fête ses 20 ans. Sa particularité est des formations proposées pour s'adapter à la demande du marché, une flexibilité indispensable pour les 282 entreprises corses partenaires. Elles n'ont pas la dimension qu'ont les grandes entreprises du continent, ce qui fait qu'elles ont beaucoup moins de moyens et surtout elles ont souvent, dans des métiers très précis, elles n'ont pas la capacité d'utiliser des gens à l'année complète. Donc ils ont des besoins pour 6 mois, 4 mois, 5 mois et donc il faut faire avec. L'année dernière, plus de 850 intérimaires ont été mis à disposition. Près de 80 ont obtenu un CDI.